C'est une blague. Non, non. Ça, on n'est pas choqué. Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. De retour en Loup-Garou UHC, le meilleur mode de jeu Minecraft. Petit rappel des règles pour les nouveaux. C'est un mélange entre le jeu de cartes Loup-Garou de Tiercelieu et le mode de jeu Battle Royale de Minecraft. On a les mêmes bases que le jeu original. Deux camps, le village qui doit enquêter et trouver les méchants, et les loups qui doivent tuer tout le monde. On retrouve les rôles emblématiques du jeu, mais aussi plein de nouveautés trépidantes rendant le mode de jeu absolument fou. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que nous allons voir. Un rôle emblématique et une nouveauté folle. Tout ça annonce donc une partie des plus épiques. Je rappelle aussi que si jamais ce type de contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à laisser un like. C'est clairement ce qui aide le plus la chaîne. Donc faites-le et on va y aller. On va aller Kenanox sur TS. Comme ça on sera content. Beaucoup de monde égale beaucoup de morts PVE. En vrai y'a beaucoup de gens qui sont habitués dans la game. Ah je vais enfin tester tes games où y'a plein de morts PVE là. Je suis content de ce rôle, j'aime bien. Petite fille, yes, un rôle vraiment intéressant à jouer. C'est un rôle emblématique de Loup-Garou UHC, et vous allez voir qu'il possède des pouvoirs très cool. Évidemment, je suis du village, et toutes les 10 minutes, je peux me rendre invisible pendant 5 minutes en retirant mon armure. Ça peut me permettre d'espionner, de fuir, vraiment plein de possibilités. Je peux aussi, une fois par épisode, avoir accès au chat des loups. Je verrai tout ce qui y est écrit, évidemment de manière anonyme, ça pourra me donner des informations supplémentaires. Un rôle très intéressant qui peut faire bouger la game très vite, et j'aime ça. Par contre, j'ai jamais eu autant d'or si tôt. J'ai déjà un stack plus 26. 27 ouais. C'est... Ouais. Pas un mort PVE, c'est un exploit à 30 000, c'est vrai ça. C'est pas mal. Pas de mort PVE, c'est pas mal. Faut faire gaffe au karma. Mais te tuer si jamais. Ah, il en fallait un. Il en fallait un de mort. En plus, c'était un LG donc ça fait bien chier. Attends, mais t'as vu le rôle? J'ai pas ton. Ouais. Tu as pas pensé que la prêtresse pourrait t'activer? Oui, j'ai pas pensé. Je vais donc terminer ce minage. Je me suis fait un bon stuff, 2 pièces diamants, beaucoup mais alors beaucoup de pommes en or. Je vais ensuite pouvoir remonter. Je prends aussi les votes, je sais pas pourquoi mais bon, c'est pas grave. Et c'est maintenant que la partie va commencer. Moi j'ai eu le rôle. Moi j'ai eu aussi. Salut, c'était quoi le rôle? J'ai pas eu le rôle. Là, c'était tu l'as pas eu? Non, attends. Mais il l'a sûrement eu. Non, j'ai pas eu. Bah, il a un sourire, hein. Il l'a eu. Oui, il l'a eu. Et c'était quoi le rôle, Gap? Feutré, je l'ai dit tout à l'heure, donc bon, c'est moi qui l'ai dit, ouais, j'ai dit qu'il était feutré. Ah, il y a une prêtresse alors? Bah ouais, moi je l'ai pas eu. Cela veut dire qu'il y a une prêtresse. Pourquoi vous restez ensemble avec Saltnobi? Bah, on discutait et là il m'a fait des bottes, ça fait plaisir. Ouais, Gap, je te sens méchant, je t'avoue. Bah, tant pis pour toi. T'es un peu méchant, mais bon. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi t'as pris les votes du village? Je ne sais pas, j'étais pas encore remonté. Ça qui est là, ça combien de temps? T'en aurais dit un soldat en mode épidèle prêt à infecter, sniper prêt à tirer, avion prêt à décoller. Bon, allez, on va se mute et on va écouter les gens, chercher. Il est au Gap, il met du temps à farmer deux niveaux. Non, mais il s'est barré, il a fini de farmer ses niveaux. Il s'est barré, ok. Ils me font stresser à taper dans le vide là. Il se passe rien dans la game, pas d'infos malheureusement, les gens discutent, on est encore tôt. Si vous êtes en couple, tuez-moi et infectez-moi et t'en remets-moi en couple. Hein? Oui, c'est un nouveau rôle. C'est l'infecteur de couple. Quoi? Bon, en tout cas, à noter que Frito, c'est ça, dit... Il discute. Bon, allez, là, il reste 10 secondes de trucs, donc c'est bon. Ouais, il y a une prêtresse, mais... Salut. Salut. Ah, je sais pas, j'avais fini depuis longtemps, celui-là, ah, je suis ailleurs. Ah bah, je m'en doute. Non, non, personne va attaquer. Ah, ils attaquent pas, parce que dans t'es loup, Nanox attaque, s'il te plaît. Je sais que t'as pas envie d'attaquer, parce que sinon la game va se finir, mais... Ah, ouais, attends, c'est l'ancien du coup. C'est un rôle solo ça qui l'a tué? Ouais, ou le couple. Oui. Fritos mort, ancien. Je l'ai vu il y a à peine 2 minutes. Avec Saad et Yoshidere, je crois. L'aurait-il tué? C'est qui? Des gens qui sont allés sous les armes, genre là. Et c'est qui? Il y a Yoshidere qui est avec eux. Oh non, ouais. Il est vraiment condé. Ouais. Passe quoi? Mais ils sont tous en bas là. Ah, mais dans la faille, je l'avais dit que la faille c'était une connerie. En vrai, ça, c'est pas impossible que ça tombait. Oui, c'est tombé. Parce que il a, sinon il aurait respawn, je pense. Oui, oui, voilà. Et ça m'étonnerait que ce soit un solo qui l'ait tué pile comme ça, quoi. Bah, après, il est cramé, c'est celui qui a tué sinon. Bon, bah, cool pour Fritos. En vrai, je suppose que ça équilibre la game. Mais en effet, l'ancien est un rôle du village qui a la capacité de ressusciter s'il se fait tuer par un loup. L'hypothèse de la mort de chute est donc sûrement vraie puisqu'il n'a pas ressuscité. Tant pis, toujours pas de véritable info. Continuons. Je pense de plus en plus que t'es vraiment LG. C'est à moi? Non, je pense ça de plus en plus qu'il est trop... Il est trop sérieux, genre, dans son histoire d'infection, là. Bon, du coup, c'est con, j'étais sur le point d'attaquer Yoshidere et... Je crois que c'est Saad. Ouais. Vu que je les ai vus avec Fritos, mais bon, du coup il est mort d'une faille, je suis déçu. Pas d'action. Pourquoi t'as heal?
Bah, ok, il va rentrer des dégâts de chute quoi. Allez, je t'attaque, c'est parti. L'attaque est lancée. Aïe. Nice jump. Aïe, tu vas faire. Attends, quoi, tu vas faire un cœur? Ah, tu vas faire grand? Oui, mais en fait, j'ai pas le choix quoi. Tragique. La partie n'est miraculeusement pas terminée. Je me fais infecter par l'infect père des loups, rôle qui peut, une fois dans la partie, transformer un villageois mort par la main d'un loup en LG. Je passe donc dans le camp des loups-garous. Je reçois ainsi l'effet force de nuit comme tous les loups, mais je garde aussi mes pouvoirs de petite fille. Parfait. Je veux même pas être infecté. Mais bon, au moins, attends, faut peut-être que je regarde. Ah ouais, il a effectivement pas le choix. La team n'est pas très stackade. J'essaie d'attaquer les gens en étant invisible. Genre, je me mets invisible à côté de quelqu'un, puis j'attaque. Aucun LG parmi les deux, enfin c'est dommage. J'aimerais même pouvoir trouver quelqu'un dans les 30 prochaines secondes quoi, pour pouvoir l'attaquer. Mais pour ça qu'il y a un LG max par groupe, c'est bizarre. Genre ils sont où les autres? Ouais, je vais encore essayer de me déspionner cette nuit, du coup, enfin cette journée. Là je peux plus attaquer, c'est trop tard. Je peux me faire innocenter si des gens me voient plus à partir de certains moments. Salut. Oh j'en étais sûr, t'étais PF. Enfin bon, je suis désolé, hein, vraiment, la pire team. Ouais, je comprends. Bananox, il sait que je suis méchant parce que j'ai one shot une araignée devant lui et il pense que je t'ai infecté du coup. Enfin, les je pense, mais il y en a qui me défendent, mais bon. Ouais, bah je m'éloigne. Par contre, faut qu'on vraiment prochaine nuit on attaque parce que c'est la merde. Gabe, pourquoi t'as disparu du centre pendant 10 minutes? Bah, j'étais sous les arbres en train de chercher des infos. Putain, t'es extrêmement discret. Je disais que t'étais extrêmement discret et que Nanox t'a accusé assez rapidement. Voilà. Bizarre, Nanox. Il est là. Salut, Gabe. Aïe, ah yo! Y'a personne qui te voit! Ah bon? Bah après, j'étais sous-arbre en train de chercher des infos, donc normal. Ok, ok. T'es Gap, peut-être. T'es soit méchant, soit un rôle en particulier, quoi. C'est rare que tu traînes aussi souvent tout seul et qu'on te voit disparaître. Bah, j'ai écouté des infos, quoi. Enfin, chercher des infos sur les arbres, c'est tout. Vu qu'il se passe rien. Hein. Nanox ne le sait pas, mais il a doublement raison. Il me pense petite fille, ce qui est vrai, c'est mon rôle. Mais il me pense aussi méchant, ce qui est également vrai puisque je suis infecté. Mais rien ne se passe, j'attends toujours une attaque des loups. Tu penses quoi de Salt? Je sais pas, j'ai pas eu depuis longtemps. En toute honnêteté. Il est un peu bizarre, mais toi aussi. J'ai pas plus de ça d'infos sur lui quoi. En fait, j'ai peur que Salt il soit trop honnête, genre, et qu'il ait vraiment envie de m'infecter, genre. Pourquoi il a fait quoi? Et il arrête pas de répéter, viens, on s'éloigne et tout, bah, je t'infecte et tout, et il force de fou, genre. Presque en mode si c'est trop honnête quoi. Je vois. Bon. Bon, j'utilise ça maintenant, comme ça je serai invisible toute la journée, et la prochaine nuit je peux attaquer. Mais là en fait le problème c'est que les groupes sont pas assez séparés. Mais... Ah. Il était quoi Stepco? Il était Hermite. Citoyen et Hermite. Ah. Citoyen et Hermite. Ah ouais. Ah. C'est trop sad. Ouais non, ok, j'ai récupéré... Il y a du soft là quoi. Le couple est mort. Deux joueurs qui devaient gagner ensemble coûte que coûte. Ça démord, ce qui a provoqué la mort de Stepco. Les deux étaient villageois, ce qui est très bon pour nous. J'ai vu du stuff sur le chemin, sûrement le stuff de Stepco, qui est mort du couple, mais je vais essayer de me servir de cela pour tenter d'accuser des joueurs et de continuer mon infiltration. Le truc c'est que là on a vraiment perdu deux. Deux villageois pour l'ancien. Ça s'entend pas, les loups ils vont attaquer la prisonnière. C'est vous qui avez tué le couple? Absolument pas. Absolument pas. Est-ce que vous étiez pas là du stuff? T'as récupéré le stuff de Sad ou t'as tué les loups? Non, j'ai récupéré le stuff du mec qui est mort en plein milieu quoi. Ok, je vois. J'ai deux safes du village. C'est qui? Et les sœurs, normalement, si je me trompe pas, c'est Xolati et l'autre c'est Nat Senpai. Nat Senpai. Ouais. Arrêtez le bus avec ma tête. D'accord. Mais il était où le stuff? J'ai pas vu. Bah là, il y a du stuff, votre. Ah, il était là. Ouais. J'ai trouvé le stuff de qui? Franchement, tu l'as trouvé. Ouais, Gap, le Power 4 est on ou pas? Oui, Power 4, oui. Power 4 10. Ouais, j'ai un Power 1, c'est nice. Le groupe là, il me fait un peu peur parce qu'ils étaient sur un des stuffs, mais je sais pas si t'es sur le stuff du deuxième mec qui est mort ou alors du premier. Attends, mais quel oui, groupe? Oui, ils ont trouvé un stuff là-bas. Non. Attends, mais tu vois voilà. Quel groupe Bah, je crois qu'il y avait Lilan, Eldro. Il y avait Lilan, Eldro, toi, moi, il y avait quelqu'un qui te faisait. Mais clairement. T'as des infos? Attends, il y a. Oh! Et une première chose va arriver, les rumeurs. Il s'agit d'un événement aléatoire, c'est-à-dire un élément de gameplay qui peut arriver aléatoirement en game pour pimenter la partie. Et ici, nous avons droit aux rumeurs. Chaque joueur peut écrire une phrase qui sera ensuite mise dans le chat anonymement. Je vais ainsi en profiter pour accuser des joueurs. C'est
Ça n'aura peut-être pas un énorme impact, mais on ne sait jamais. Sauf que ce n'est pas tout. Au même moment, un autre événement aléatoire va arriver. Et cette fois-ci, il aura beaucoup plus d'impact, c'est certain. Attends, faut qu'on mette un truc. Moi, je vais mettre... Oh non, je vais mettre... Zizani. Le fonctionnement est simple. Lorsque ça s'active, un villageois va passer dans le camp des loups. Au même moment, un loup-garou va lui devenir solo. Et pour équilibrer, un solo va devenir villageois. Et vous vous en doutez, c'est exactement ce qui vient de m'arriver. J'étais villageois, je me suis fait infecter, je suis maintenant solo. Un rôle, trois camps. Mais évidemment, cela va encore plus compliquer ma partie. Gagner tout seul, c'est forcément plus difficile. D'autant plus que, puisque je deviens solo, je vais disparaître de la liste des loups. Si jamais les loups le remarquent, ils vont savoir que je ne suis plus avec eux. C'est une blague. Hein, bah Gep est méchant du coup, on va tuer. Ah, je suis pas méchant par contre. Celui qui a mis moins infecté, c'est ça. T'es cerné, Gep. T'es cerné. Je suis méchant de fou quoi. Bon, j'ai eu la zizanie. La zizanie, ça fait qu'il y a. En gros, il y a un villageois qui passe dans le camp des loups, un loup-garou qui passe dans le camp. Enfin, qui devient solo, et un solo qui passe villageois. Donc, moi au départ, j'étais villageois, je me suis infecté, je suis devenu solo. J'ai fait le tour complet, finalement. Ça va être compliqué. En gros, je suis une PF infectée solo. Tu dois repartir là. Non. T'es invisible le jour et pas la nuit en fait. C'est bon, c'est le jour. Ah, y'a un cordon, du coup. Tout seul à chaque fois. Les gars, y'a Gep là-bas, si vous voulez. Quoi, Gep, vous le foutez? Non, moi j'ai voté Salt. Mais vous avez zéro info sur Gep, hein, genre. Bon, en fait, je sais pas. Bah, vas-y, vous avez quoi comme info? Moi j'ai plus rien. Par contre, je sais pas pourquoi je me fais accuser, hein. J'ai rien fait de suspect, hein. Je peux rien faire, je peux pas agir parce que je suis solo en fait. Je suis obligé de jouer avec les villages alors. Le truc, c'est que le village m'accuse. Allez, attaquez-vous par pitié. Et en regardant le chat des loups, je vois qu'ils ont remarqué que je suis devenu solo. Rester avec les loups n'est donc plus une option. Je pourrais alors retourner avec le village, mais ils ont de fortes suspicions sur moi. C'est vraiment très compliqué. Je suis véritablement seul. Enfin. Ok, faut leur tuer les loups-gars. C'est chaman. Mais je n'ai pas le choix. 4 villageois morts en quelques secondes. Je dois revenir, me servir de mes informations sur les loups, puisque bah, j'ai encore la liste, et aider le village pour l'instant. C'est ma seule chance de revenir dans la partie. Salut. T'as des flèches. Salut, j'ai quasiment tous les LG. Bah oui, ouais, bah, Iver, Shatnobi, Blazer, vas-y donne le reste. Oui, et sinon il y a Naifozone, il était avec les Mifu, il l'a tué. Un déplume, okay. Et après, bah, Salt, ouais, vous avez les autres. Oui, les autres ont attaqué. Bon bah, en vrai, restez. Et nous, Slyvox aussi, tu l'as dit? Ah non, on okay. Bah let's go, voilà, c'est tout. Slyvox, ouais, bah, c'est vraiment oui, mais il était avec quoi. Oui, j'ai tout la liste. Okay, ça tient une flèche là. Ça tient une flèche, hein. Putain, ouais. Oh, merde. Sa réaction, je suis désolé. Ah. Ils sont attaqués, on peut pas aller beaucoup. Ah. Venez, 2 personnes. Vas-y, moi j'y vais. Bah allez-y tous les deux, allez-y. Faites gaffe à Gep. Faites gaffe à Gep, les gars. Oui. Je pense qu'ils ont compris qu'ils devaient faire gaffe à Gep. Ok, faites gaffe à Gep. Vu que c'est pas un loup solitaire, il a que 10 cœurs. D'accord. Il est pas quand il y a Zizani. Ah, il y a Zizani. Oui, c'est toi. Zizani. Effectivement. Vous voulez pas vous retourner au pire? Au pire, vous jouez, hein. Non. Il y a rien. Ok, moi, un mort. Ouais, bon. Ah, ça a Gep. Oui, bon. Oui, bah au moins. Allez, hop, la speed, on se barre. J'ai la speed du kill, hein. Ça sert à rien. Bah, tu as fait le tour. Ok. On a les boosts. C'est le cut. Ah, oula, si. Ah, dommage. Mon aim. Vers moi, lui. Mais c'était ouais, petit bait là. Oh, lui, il est vraiment le GB, hein, je crois. Ah, oui. Ouais, il galère à mourir. Il tank bien. Bah, vous devriez pas me tuer. Oui, bah si, en vrai. Ouais. Non, je suis pas LGB donc je vais pas essayer de bait, ça sert à rien. Non, mais pour moi, la LGB c'est oh, pas trop génial. Oh, par contre. Oui, bon. Elle a fait 4 diams, quoi. C'est vraiment Aver, le LGB. Du coup, est-ce qu'il s'allume d'autres? Attends, du coup, y'a qui qu'on connaît? Il reste Salt, Aver, il a survécu. Aver et Knivezone. Bah, il reste surtout des rôles solo, je pense. Parce qu'il y a que l'assassin qui est mort en soi. Bah, l'ange gardien aussi est mort. Bah, il reste le LGB, il reste le voleur. Y'a un ange qui est mort. T'as vu tous les rôles ou pas? C'est qui ça? Ça va être il est safe. Ouais. Faut qu'on y aille à 3. T'inquiète, c'est normal. C'est l'arme en vrai. Hein. Aïe. Bon, tu fais mal son arme. J'ai besoin d'aide. Ouais, mais attends, c'est bon. Wow. Là, je suis un V3. Par contre, je crois qu'on est beaucoup, non? Bah, je les laisse fight, mais ils sont pas barrés les autres, tant pis. Ah, bah non. Ok,
C'est toujours groupe de 4, est-ce qu'on est 4? C'est la nuit mais on est en 4v3 donc on peut faire. J'ai un port 4 personnes donc je vais faire vraiment beaucoup de dégâts. De toute façon ça va bientôt être le jour et après bah il sera encore plus dans la merde. Après il y a peut-être un rôle solo parmi nous. En vrai mais il y a l'assassin et l'ange qui est mort. Pam, tu as envie stack de cobalt. Ah putain, je suis tombé, je suis en tête. Go drop. Ah yes, super. Je suis dans une cave. Je suis Michard, tu fais pas. Putain. Voilà. Bah j'en ai eu un, il va mourir, à moins qu'il... Non c'est bon. Let's go. Y'en a qui est mort? Ouais j'ai eu. Et c'est Samator qui est mort. Mais il était infecté alors? Ah oui il était infecté, il était clairement infecté. Hein. Il nous a trahi tout à l'heure. Après ces nombreux fights, nous avons tué 3 loups supplémentaires. Une nouvelle fois, je vais devoir trahir mon camp, cette fois-ci le village, pour continuer d'équilibrer ma partie. Oh! Ah Gap méchant. Ah bah j'ai... Ah non. Non. Ça on est pas croqués. Oh il y a là. Ouais. Je vais jouer avec le feu là. Bientôt, presque. Oh, c'est la mort. Sale traître, on t'a donné un power 4. Un power 4, ça fait vraiment mal. Bon. Compliqué. Y'a qu'un homme pour faire un long shot comme ça. C'est pas un long shot. Ah, t'étais là. Ok. Aïe. Y'a qu'un homme pour faire le MLG comme ça. J'ai pas fait le MLG, j'ai fait mon bloc. Ça sert à rien, voilà, je vais retourner au centre. Sinon c'est sad. Aïe. C'est sad, aïe. 9-7-3. T'es un bon arc toi. Non, power 2. Pourquoi tu joues comme ça? Oh. Ah, plus de flèches. Ah. Dommage. Oh, j'ai fait que tu as un niveau. On était 7, on est passé à 3 d'un coup. Alors, soit je suis malade, soit j'ai cru juste. Ah, non, y'a Gap sous les arbres, Ah, ok. En plus, bon, nombre de Gap que t'as pas. Bon, on est 2, hein, tant pis. Ils ont peur d'avoir beaucoup de Gap, donc je vais surtout les A2. Mais viens à l'épée, ils sont deux, on peut les faire l'épée. Bon, on va aller, on va attendre pour. Derrière moi. Ouais, go, retournez-vous. Oh putain. Ouais. Bon, vas-y, tranquille. Ouais, mais je suis en mode 1v1, y'a deux. What the fuck? Ah oui, j'ai tué ça, et. Oh le punch, ça va être insupportable. Ils sont deux en dessous. Non, il est là, go, vas-y, viens. Merde, oh putain, derrière moi. Ah, t'es sérieux, je t'aime, mec. Derrière moi. Tu sais comme je t'aime, t'es sérieux. Les gars, s'il vous plaît. On peut pas t'aider, attends. Ah, mais je sais. Bah, je vais pas pouvoir m'aider. Non, mais c'est toi, c'est tout. Oh merde. Alors ? Pas le gap. Est-ce que vous pouvez. Y'en a un qui peut m'aider ou pas ? Non ! Ouais, il est mort, pas. On fait combo là, un peu. Pourquoi ? Un peu à la sauce. Vite fait. Ah non, putain. GG. Tu veux ? C'est bon, j'ai des gaps. Je suis dépité. Oh, il est là. Oh, t'es tout seul. C'est le. Oh, viens. Ouais, bah il reste que. J'avais pas compris ça. Enfin, mais en plus, j'étais infecté au début, du coup. Ouais, bah j'ai vu ça. Je suis passé de villageois à LG à solo. Je me fais péter là. Un peu. Oui. Bien. Oh oui. J'ai le. Ah, GG. GG. C'était chaud. Mais hein. Du coup, j'ai pas compris. En gros, t'étais solitaire PF, non? J'ai pas compris. Bah, en fait, j'étais PF, puis ensuite, je me suis fait infecter. Puis après, il y a eu la zizanie, donc je suis devenu loup. Ah, c'est un. Enfin, je suis devenu solo, je veux dire. Ouais, c'est un ah, utilatoire. Oui, okay. What? Les capoles que t'as fait?
Et finalement, contre toute attente, je remporte cette partie. J'ai bien géré le fight final, mais la game était vraiment très compliquée. Je pensais pas gagner du tout. Je suis passé de petit villageois tranquille à loup-garou, puis à joueur solo, cramé par les loups, suspecté par tout le monde, vraiment tout seul. Pour moi, c'était fini à ce moment-là. Mais j'ai réussi à revenir dans la partie, équilibrer les groupes et sortir victorieux. C'est fou. J'espère que cette partie vous a plu. J'ai essayé de la monter un peu différemment. Je sais pas si ça vous plaît. Dites-le moi en commentaire, hein. Mais c'était une bonne petite game de loup-garou. Encore une fois, si vous aimez ce genre de vidéo, mettez un maxi like. Mais plus sérieusement, si vous aimez ce type de game, n'hésitez vraiment pas à like, ça aide beaucoup la chaîne. Et sinon, bah merci d'avoir regardé. Abonnez-vous. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. En attendant, on se retrouve sur Twitch où je stream régulièrement. D'ailleurs, je stream tous les matins vers 11h des games avec vous les subs, donc venez hein. De quoi bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.